J'ai libéré la femme de la prison du corset. Je l'ai vêtue d'habits de rêve, ouvrant des voies nouvelles à la recherche. J'ai habillé l'époque. Moi, Paul Poiré, j'étais le roi de la mode, le premier, le plus grand. En peu d'années, j'accumulais célébrité, succès et richesse. En peu d'années, j'ai tout perdu. Il ne me reste qu'une machine à écrire pour raconter ma vie. Je suis parisien du cœur de Paris. Je suis né dans une petite voie étroite où mon père était établi marchand de draps. Mon enfance s'achevait partagée entre mes études, la fréquentation de mes camarades et mon goût pour le théâtre où je passais presque toutes mes soirées. Je fréquentais beaucoup les salons de peinture. J'aimais les impressionnistes. Je dessinais des toilettes fantaisistes. Mes croquis étaient sommaires. Je me souviens que l'idée y était toujours clairement indiquée et qu'il y avait toujours un détail inventif et un point intéressant.